ki baba. Madame, Messieurs, bonsoir. 169 bananées après l'abolition de l'esclavage, nous continuons cause le séquel de l'esclavage. Tellement l'été dire, tellement l'été inhumain. Mais à l'époque-là, durant ça l'étape, nous l'histoire-là, fin aussi énorme les autres phénomènes sociaux et culturels qui finent nés. Aujourd'hui, justement, nous pouvons cause de la musique, la langue, l'identité. Qui manière langue, fin constituer un phénomène social de communication, d'intégration, d'émancipation et aujourd'hui d'affirmation d'identité. Et avec nous ce soir, nous avons quelques invités qui pour cause le s'assiser là. Nous avons M. Benjamin Moutou, qui est historien, Radatia Vassane, linguiste, Satyen Rapiatom, historien également, et Emmanuel Just, journaliste. Et nous aussi, nous avons un camarade autiste avec nous ce soir. Outam Ramchon qui est avec nous, lit également dans l'équipe cette soirée. Bien, maintenant, qu'il faut avant de commencer, nous remettre les points. Et au fin de dire, 169 ans, nous pouvons célébrer l'abolition de l'esclavage. Qu'il faut nous aussi rappeler qu'en 2004, il est décrété par l'UNESCO l'année pour la commémoration de la lutte contre l'esclavage et son abolition. Qui fait ça? Parce que 2004 marque le bicentenaire de la révolution de Saint-Domingue, qui maintenant c'est Haïti. En effet, c'est la première fois justement dans l'histoire qui nous gagne une révolte de ban esclave contre ban colon. Donc, une révolte menée par Toussaint Louverture qui finit aboutit à l'indépendance de Saint-Domingue, donc Haïti, et donc qui finit marque l'histoire dans ce sens-là. L'UNESCO dit à nous qu'il nous vient aussi pousse la société civile et la communauté internationale en faveur d'une culture pour la paix et aussi vers une réparation, sa grande tragédie qu'il appelle l'esclavage.
Certainement, Outam, c'est un grand débat, c'est un grand cisé. Nous pour cause quelque chose qui sans doute fait une révolution de beaucoup de choses à travers les temps, ces langues et la musique, et ensuite le phénomène qu'il y ait identité. Nos premières questions à nous inviter, Rada Thiavassane, qui est aussi un créolophone. Rada, quelle manière créole fin née dans Maurice Pour nous comprendre quelle manière créole est née, nous posons trois questions. Un, qui est un groupe qui tient à quand créole prend naissance. Deux, un groupe du monde. Deux, qui est une activité que tu peux faire dans Maurice. Et trois, qui est un problème de communication tient à quand ce groupe-là t'y joigne. Première question, il y a deux phases dans l'évolution de la langue créole. Une première phase, quand il y a une grande majorité de colons français, il y a ensuite une petite minorité esclave, et entre les colons et les esclaves, il y a un encadreur, qui un historien aussi appelé Ban Bossal, ben affranchi, qui a donc joué un rôle d'encadreur, donc d'intermédiaire entre ban esclave et ban colon. Mais là, en fait, dans sa société-là, communication type tourne autour français et autour langage, un langage français qui t'est adapté à ben besoin de communication. Est-ce qu'à l'époque-là, déjà, tu n'as tigit esclave, on dit une minorité esclave. Tu n'as tigit esclave d'abord. Et ensuite, un problème de communication est aussi énorme, comme un problème qui peut poser après, quand en fait, dans de la société d'habitation dans laquelle nous trouvons, nous passons à une société qui vient d'une société de plantation, où il y a bien plus d'activité économique, où il y a un grand groupe d'esclaves, nombre d'esclaves augmenté, et un esclave qui vient de Maurice ne peut pas appartenir à un même groupe linguistique, je peux cause différents langages. Donc, il y a un problème de communication qui se posait entre les esclaves eux-mêmes, entre les encadreurs et les esclaves. Et donc, à ce moment-là, dans ce contexte-là, en fait, le langage créole prend naissance. Mais il est bon qu'il nous gagne une toile de fond, hein, pour dire donc, comment ça va nous faire la dessiner. Nous vous imagine Maurice, c'est-à-dire l'île de France à cette époque-là, à côté. Il y avait un colon français bien établi. Je peux causer un français du 18e siècle. C'est pourquoi nous pouvons trouver l'important que nous, créoles, il y a un bon mot, une bonne expression qui propre au 18e siècle, du français du 18e siècle, même français canadien, qui n'a là-bas même Québec. Alors, 18e et 19e siècle. Ça, c'est le côté français. Maintenant, qui vient du monde qui peut venir? Et non, comment nos camarades de bassin viennent dire, ben, le premier djimoun qui venait, c'est aussi la Réunion. Et non, encadré. Donc, dans la Réunion, déjà, je peux causer un créole. Je finis déjà, comme à dire, une initiation entre français et créole. Et puis, ben, encadré, historiquement, c'est aussi la Réunion. Et moi, pourquoi mon écoute, ben, djimoun, olof au Sénégal, causé. Alors, nous gagnons 2000 olof seulement, une ville Maurice. Hein? La population, on va dire, 100 000 esclaves à Maurice, 90 000 de la période française et puis au début de la période anglaise. Et Ben Wolof, comment dire, c'est une tribu dominante. Je donne le ton pour la manière qu'ils nous faisaient cause créole. Je vous donne une preuve. Mais quelle manière je donne le ton pour cause créole, alors qu'il créole, quand il y a affinité linguistique, il n'y a aucune affinité linguistique entre le Wolof, comment oui. dire, et le français. Non, alors qu'il créole. Oui, il est bon, nous connaissons ça. Parce qu'il est pareil que moi, Bouchpourri. Il est capable, un des mots, de cause créole. Mais il y a une orientation un peu Bouchpourri dans sa manière de causer. Alors, il peut cause français, mais il y a une orientation un peu de Wolof. Comment il est capable d'une orientation malgache, plutôt, vous trouvez. Il est capable d'une orientation mozambicaine dans la langue. Effectivement, quelle manière créole fin développer ce moment-là, durant la période de l'esclavage? Parce que créole reste quand même un dialecte qui émane du français. Quand nous finissons un esclave qui est sorti du Sénégal, nous finissons un travailleur indien qui travaille à l'époque-là, quelle manière créole il rentre là-dedans? Oui, il y a des explications qui ben linguiste donné lors naissance langage créole. Une explication, c'est que
créole prend naissance à partir français. À partir français qui est en fait causé par ban immigrants, ban colons français qui sont aussi dans le dans ban différentes parties de France et qui peut cause un français qui peut causer à l'époque dans sa ban différentes parties de France là. Donc ça c'est une explication. Et une deuxième explication qui ban linguiste donnait, c'est qui en fait créole est influencé par ban langue africaine. Mais pour le moment, d'après le dernier travail qu'il fait, nous avons pensé en fait que la langue de base à partir duquel la langue créole prend naissance, c'est le français. Si en fait la langue africaine et ban esclave africain ont la peau à la langue créole, et notamment ban esclave malgache tiennent la peau à la langue créole, ça la peau là vient au niveau vocabulaire, ban terme précis qui se pousse à vie. Mais en fait, syntaxe, grammaire, créole Maurice, ils sont aussi depuis français, même si, une fois qu'il prend naissance à partir français, créole Maurice, comme à tout ban les autres créoles, se devine ban langage grammaticalement autonome. C'est-à-dire oui, mais ça devine bien après, ça, dans l'histoire créole. Il est assez rapide. C'est-à-dire, une fois qu'il prend naissance, langage créole prend naissance, il gagne son autonomie assez rapidement. Si je ne me trompe pas, d'après ban linguiste, dans un espace 25-30 ans, langage créole devine autonome, c'est-à-dire il est complètement coupé depuis ce langue source, depuis ce langue racine, depuis la langue française. C'est à l'époque, pendant la période de l'esclavage, il fait des années, ban signe qui créole aussi prend forme musicale. Et la rivière Tanier, qui aujourd'hui une grande berceuse que tout le monde connaît, beaucoup de Mauriciens connaissent, beaucoup de parents sont de bons enfants, il est né dans cette période-là. Laisse-moi dire une affaire. D'abord, moi, je ne suis pas historien et je connais bien la musique. C'est moi, je suis content que dans un débat comme un débat qui nous est aujourd'hui, quand nous cause langage, nous cause la musique, italien nous cause identité. Il est important qu'on ait en fait qui est un phénomène de nature différente et il ne faut pas qu'il nous guette tout un phénomène là appartienne seul moule. Par exemple, quand on prend naissance langage créole, il est clair en fait qui d'après ban l'étude qu'il fait, qui créole prend sa source à partir français. Mais quand on guette par exemple phénomène musical, d'après l'information qui m'est née, mais moi je ne suis pas un spécialiste là-dedans, au niveau musical, la musique qui prend naissance parmi les esclaves est en fait beaucoup plus autonome que le langage. C'est-à-dire que l'influence qui français a le langage créole, ça l'influence là, la musique européenne, puis la musique qui prend naissance comme un esclave, comme en santé. Et il y a un troisième phénomène, le phénomène métissage biologique, il est complètement différent avec phénomène linguistique, avec phénomène musical. Donc, il est probablement important, quand nous causons ces différents phénomènes-là, nous rendons compte que ce n'est pas un type de phénomène qui est comme dire, nous pouvons lire l'histoire Maurice avec un seul gris, avec un seul moule, nous pouvons lire tout ça, ces affaires-là exactement de la même manière. Oui, mais toutefois, peut-être que M. Thierry-Vassan est d'accord avec moi, et non, peut-être un lien, c'est-à-dire la réarticulation. Et donc, nous trouvons que finalement, la rivière Tani, par exemple, c'est un témoin qui, un esclave, finalement, peut réarticuler les affaires. Vous autres, vous êtes là dans votre souffrance, votre expérience, la vie de tous les jours. Nous posons des balles un petit peu, nous trouvons que l'engage, c'est une affaire qui peut susciter beaucoup l'émotion, surtout auprès d'un autiste, et moi, qui n'est une chinienne, une affaire, pour dire nous, là, à travers l'engage maman. Donne-nous l'histoire pour la première fois, langage créole fin levé. La pécasse, la scène fait assimiler, débloque l'esprit, liberté. Byzantien, merci, tout banni loi. Lié bourgeois, nous redis nous droit. Pour qui créole, tangue la voix. Retrouve langage, nous maman. À nous coster, coster, notre balai à nous qui tire. Héritage en gaz, maman. Misère qui nous fait passer, ça m'est pas capable. Mon corps rappelle l'époque nous grands familles qui esclaves, la langue créole maltraitée, détrônée, enterrée. Bâti gain droit pour lève la voix, ti bisa coubé en bas, si bien la honte baisse les bras, puis grand-maman, grand-papa. Et toi, costé, costé, God valait à nous qui le tire, l'héritage en gaz, maman, et misère qui lui fait nous passer, ça m'est pas capable.
fait sa langue gaz. Zodi pécasse la scène fait assimi. Que tout nous passe pétambé. Unité ban s'il pécosé. Get nous rêve, nous grand plaisir. Nous grand famille, ce grand désir. Ce beauté, ce vocabulaire. Et tout créole, ma plaisir. Vini coste, coste. Votre balai à nous qui le tire. Les ritas en gaz, maman. Misère qui n'est fin passé. Ça m'est pas capable. Rayonner, nous coster, pas oublier malgré ses lois, du gomo bien bizarre élevé. Vini, vini nous prier, Seigneur, quand ce balai à nous vrai qu'il tire créole qui paye en flair, que tout il loi bien, bien fier. À nous coster, coster, quand ce balai à nous qu'il tire, véritable sans gaz, maman, misère qu'il y fait nous passer, ça m'est pas capable sauver ici. Racine fine enterrée dans la terre. Et même meilleur si ailleurs. N'a peine à place secondée. Les cabanes ils finent bien plaignées. Ils y est les ciels qui se témoignent. L'abolition qui se réprime. L'engagement maman bien bien loin. Et toi coste coste maman. Quand tu parles à nous qui t'y a là. L'héritage engage maman. Misère qui n'est fini passé. Nos âmes n'est pas capables. Certaines rapides dames, est-ce que historiquement nous avons des témoignages disponibles que Rolf a utilisé? Oui, et dans les Maurice Archives ou les Archives nationales de l'île Maurice, il y a des témoignages qui sortent depuis ban Calacour, que ban esclave qui fait accuser un crime, et une fois, j'ai fait une espèce d'interview à eux, que j'ai mentionné. Un événement qui finit arriver. Et nous trouvons dans ce document-là qui, déjà, dans les années 1770-1780, déjà, un esclave, soit d'origine mozambicain, malgache, comorien, ou même de l'Inde, et qui n'a pas même de l'Afrique de l'Ouest, ce type servit le créole comme ce langage. Moi, j'ai aussi fait ressortir que quand nous guettons l'évolution de la langue créole à l'île Maurice, il y a des aspects très spécifiques. Premièrement, l'émergence d'une culture parmi les esclaves. Et aussi ben, genre de couleur. Et deuxièmement, sa quantité esclave qui peut venir à l'île Maurice des années 1740 à monter, qui est d'origine depuis Mozambique et qui sont des autres pays-là. Alors, quand ce esclave-là peut venir, ce peut travailler dans une certaine place dans l'île Maurice et dans une certaine agglomération aussi, soit dans pour lui ou dans certaines plantations. Alors, quand il y a une concentration d'un esclave-là, soit je peux vivre ensemble, je peux travailler ensemble. Je peux bien sens ben, mot parmi l'un et l'autre. Alors, cette lingua franca finit graduellement, mais au cours d'une période très très vite créole. On donne deux chiffres bien bien très très vite. 1746, l'État de la Bourdonnais finit quitte l'île de France. Il y a 4000 esclaves à l'île Maurice. 20 ans plus tard, il y en a 15 000 et 40 ans plus tard, il y en a 60 000. Oui, bon. Mais quand ça va un esclave là, il finit. Est-ce qu'il finit un esclave qui finit venir massivement dans une région spécifique? Si je finis venir massivement dans une région spécifique, est-ce qu'il pas tient la possibilité qu'ils ont maintenu un langage qu'ils ont pu causer dans d'autres pays? Oui, je tiens un langage qu'ils ont maintenu dans ce propre pays. Je vais donner un exemple. Tiens un descendant, pas un esclave, mais un descendant malgache, que je forme une communauté dans pour lui et que je peux causer ce propre langage. Dans pour lui, tiens une grande concentration d'un esclave, mais seulement dans une région rurale, dans une soit les savanes ou rivière du Rempart, ils étaient éparpillés. C'est juste vers 1820 et 1830 qu'on pouvait avoir une grande agglomération pan-esclave, plus un qu'on appelle un slave culture pour émerger. Est-ce qu'il finit dans un slave culture, peut-être à l'heure? Non, moi, j'ai envie de revenir aux questions que tu me poses, M. Pietam. En fait, est-ce qu'il y a un grand groupe qui te fait cause un seul langage? En fait, d'après l'information qui est disponible, il paraît en fait qu'il y a un colon, parce qu'il se tipère qu'il gagne un grand groupe esclave cause une même langue, et ça, en fait, cause permet de la communiquer et cause une révolution après. Je préfère en fait gagner un petit groupe
10 mouns qui sont sortis de ben différents pays et causent ben différentes langages, de manière à ce que ben communication entre ben différents groupes d'esclaves les minimise. Vous ne semblez pas être d'accord, Benjamin Moutou. Moi, ce que je veux dire, il y a deux, trois choses, mais peut-être pas bien d'accord ensemble. Tout d'abord, quand on trouve la langue créole, sa configuration, comme elle était, c'est le langage de la facilité. Comment dire, l'entend nous trouver un papa peut causer ce petit, fait apprendre à causer. Ne pas tous les employés qui ont été grammés, bien articulés, avec toutes ces bonnes affaires. Ils emploient un langage simple. Et esclaves, là aussi, pour les communiquer avec ce maître, lui aussi, on emploie l'essentiel de ça. Ce qui veut dire, ça choque, qu'ils nous appellent linguistique, qui vient non. D'un côté, ben esclave. Même si tu es au Mozambique, je ne pas causer un seul, parce que c'est plusieurs langues tribales, ça. Même si vous êtes au Madagascar, vous causez plus lent, puis long, même jusqu'à l'ère dans la République de Mozambique, et non plus qu'il y a 70 donc, dialectes. Déjà au départ, vous voyez, alors donc, il y a un véritable tour de Babel. D'un côté, il y a un goulouf qui cause comme ça, une langue comme ça. D'un côté, il y a un Mozambicain, vous avez même une plusieurs catégories langues mozambicaines, qui ressemblent à une partie de langue bantou, une partie pas comme la bantou. D'un autre côté, il y a un malgache qui cause ça. Donc, il tient pas autant qu'il y a une langue commune arrive à émerger pour capable communiquer. Mais moi, ça vous a introduit un élément dedans. Dans une lecture récente, dans le linguiste, vous êtes bien fait nous croire, ou bien c'est une preuve, ça l'a pu, qui français naturellement la base. Pour la bonne raison qu'il ben, se vive dans l'atmosphère avec le maître. Donc, c'est quand même le mot là. Mais le créole, il y a une structure. Il y a une structure particulière qui n'est pas la structure de la langue française. Mais Emmanuel, je t'élimine bien après, ça. Je t'explique par un fait assez curieux qui les fait sous influence des Bantous ou du Swahili. Et je vais plus loin, je trouve que les Sirondanes, aussi sont d'origine Swahili et donc Bantou, hein, Swahili. Donc, puis il y a besoin d'une structure à ces mots, ben, parole c'est là, ben, mot là c'est là, vocabulaire c'est là, qui vient structurer. Et je peux dire que sa origine, sa structure là, Livina, est la preuve, les Sirondanes que nous entendons, la passion de l'esclave pour les contes, mais c'est une d'origine africaine et surtout d'origine Swahili. Nous avons un camarade artiste, Jean-Jacques Adoun. Il y a quelque chose pour dire, nous, le long, le créole. Il y a quelque chose pour dire, suite à mon camarade qui a discuté, ça permet de me poser moi-même une question. Nous définissons la langue créole par rapport à mon territoire ZIS, appartient à Maurice, et appartient à la langue de base. Donc, il reste pour moi une définition assez coloniale, c'est-à-dire une définition coloniale pour définir la langue créole. Son point de départ, c'est le français. Monsieur, juste, tu peux venir là, en termes stricts, là. Et définition là, vous pensez, Livine, du saut qui nous peut réfléchir la langue créole par rapport à aujourd'hui. Quand nous prenons un avion dans le Sénégal, nous mettons à peu près 17 ans. Mais n'oubliez qu'il y a un esclave quand il vient. Michel Moutou, Pekos Ban Wolof, qui sort du Sénégal, mais il met beaucoup plus les temps. Et moi, je me dis qu'il quitte fois, pardonne-moi l'ignorance, quitte fois capable dans la cale bateau et bizan il n'y a pas d'affaires finies. C'est-à-dire, comment pour faire pour tirer manger ban colon là? Qui manière nous exprime nos souffrances et quand vous faites ma mistade, qui manière ban esclave, vous fin arrivé, mais vous êtes d'accord pour vivre avec ban commerçant esclave qui tu peux redamener vous, pas le vendre vous. Pourquoi ne faut pas nous ignorer quand même sa dimension de la langue créole là? Et pourquoi Patrick Samoise aussi a payé beaucoup l'eau là pour déjà commencer à expliquer le métissage? Benjamin Moutou? Oui, mais somme toute, il y en a raison, dans le sens qu'il prend à peu près 5-6 mois pour sortir Corée, pour venir dans les Mascareignes, Maurice, La Réunion, et naturellement, prend des mois, 3 mois pour sortir Mozambique, et moins pour sortir Madagascar, pour venir Maurice. Et déjà, dans ce bateau là, il y a un professionnel de la traite qui s'appelle bourreau de la traite. Notre gros travail, c'est à acheter esclaves, faire une razzia et amène un esclave là à bord. Mais à bord, quand nous calculons un voyage, ça prend 3 mois, 4 mois, 5 mois, dépend la saison, dépend le mauvais temps, tout ça là,
Certainement, mais il y a une espèce de communication. Alors, ça vient du monde là, je t'habitue, je te connais un peu les rudiments de ça vient la langue qui s'amène, qui dit, vous êtes capturé là, causé. Alors, il y a déjà un début de la langue métissée. Il y a une espèce créole bambara, un créole wolof, ou un créole, un français mozambicain, un français malgache. Et non, ça. Mais après, naturellement, il ne peut plus exposer pendant toute la vie entre ça, trois la langue là. Et justement, je suis content à pile ce point là avec nous, mon invité. Le fait qui, comme Benjamin, vous pouvez dire, qui crée une différente tendance, justement, est-ce que ça nous cap interprète ça? Comme quoi, l'esclave, il peut servir la langue, il peut faire une subversion de ça, en signe de protestation. Comment nous pouvons interpréter ça? Parce que nous avons aussi une nécessité, la langue créole n'est pas une nécessité, mais est-ce qu'il d'un côté, il peut servir la langue du maître, il déforme. Est-ce qu'il, pour rejoindre un petit peu ce que Outam peut dire et pour aller un peu plus loin, est-ce que créole, à un moment donné, il fin prend forme d'un outil d'émancipation? À quel moment, comment dire, créole, une cause d'aller là, esclave, peut dire dans la cour, qui est son patron, fin d'y aller? Quand, à quel moment, comment il commence une langue d'émancipation? Vous pouvez dire que créole, vers les années 1820-1830, il y a une langue de résistance contre Banmet. Et là, Ban, quand la cour devant le tribunal, pendant sa période-là, quand Met là, il fait amène son esclave et qu'il accuse lui de sédition et outrage au Met. Qui est-ce qui ban nous non ban record qui montre qui ban esclave va dire qui en parmi eux il dit anglais nous voulait français nous pas voulait qui devait redire par ça nous prend nous envie ban français ban anglais libère nous mais nous prend nous résette ban Met français. Pendant sa période-là, créole, c'est déjà un outil qui est un esclave qui est servi, spécialement dans les plantations. Le refus du travail, l'insolence, ça c'est un esclave qui est une punition pour ce acte-là. Mais j'ai envie de faire ressortir aussi qu'en janvier, le 17 janvier 1835, étant le gouverneur Nicolet, il publie une proclamation adressée aux esclaves eux-mêmes. Il y a des centaines de copies de cette proclamation-là qui gouvernement colonial britannique ici à Maurice qui fait publier qui en créole, qui en français et qui en anglais. Pour moi, il y a une espèce recognition qui ban autorité coloniale a trouvé qui la langue créole est la langue de ban esclave et c'est une bizarre faire ce move là et dans sa proclamation là il dit que le 1er février 1835 je pour ban esclave mais je pour ban apprenti. Si nous écoutons, créole, l'écriture du créole, il naît très tôt. Ben esclave, c'est autre langue, ça. Si je dis, prend la peine, dépense l'argent, prends autre temps pour écrire ça en créole, avec le but pour informer ben esclave qui, le 1er février 1835, je ne plie ben esclave et ben apprenti, et d'une façon symbolique, qui se vous gagne cette liberté. Et je disais, mérite cette liberté aussi, c'est une programmation. Pour répondre au débat du camarade, Pietam, c'est qui anglais l'ont trouvé qui est une majorité esclave, la grosse majorité comprend créole. Donc l'ont insisté qu'il gagne une version créole de sa décret d'abolition de l'esclavage, William Nicolet qui dit signe ça. Pas nécessairement qui les créoles est une langue écrite qui dit monde pour capable lire lui aussi parce qu'il a majeure partie pas dans l'école, je pas capable lire. Le créole. Pour lire, il faut aller à l'école, il faut aller initier à l'alphabet pour lire créole. Mais c'est qui, ben, Jimoun, qui a la tâche pour annoncer qu'ils ont dit esclavage inaboli. Zot, au lieu de lire en français, de traduire mentalement en créole, je finis un texte qu'ils sont capables de lire ad verbatim, qu'ils sont capables de dire intégralement l'îlot là. Si vous permettez, moi, j'ai une affaire. Moi, le tiers compositeur, bon. Moi, me composer d'après mon son. Et ou pas qu'à dire comme ça, bon, il n'y a pas de langage capable comment s'écrire. Mais moi, quand j'écris un texte, t'es ça dans la tête, moi j'ai l'île au papier, moi mets son là en écrit. Ou bien, il n'en peut se développer. Quand vous êtes anglais, anglais pas trop sain. Anglais, lit, chacun, il s'est baillé pour ce camarade, puis je trappe sa trône là quand nous avons des histoires.
Et la boutique fermée, c'était. On pose une question qui fait la boutique fermée, c'était. Ce qu'a dit, même nous gagnons l'indépendance, la boutique en gros fermée, c'était. Parce qu'il fait, quand la boutique fermée, c'était, pas pour une assure là aussi, mais grand monsieur capable de passer sur le deux gardes de ce campement. Moti grandi, gotoli, pied, mot pati, connaît qui te grandait. Molisier, tirotolisier. Moti quoi tout même l'univers. Tout a fait plante canne, le moli de l'eau. Mou soyez le moli de l'eau. Le moli de l'eau tous les deux. Le moli de l'eau je tous les deux. Oula hé, oula la hé, atila hé, oula la hé. Montagne bête, le mou matelot. Montagne bête, le montagne bête, le mou matelot. Si la li passé dans ce le deux, si m'est perdu dans la poussière, vous venez m'a dit tantôt, y'a connu, il y pouvait. Tantôt passé, tu finis à l'île, gouvernement, missier, vous venez l'hiver, pour mon zot, tout l'envoler, soit la hausse de l'avenir, ou la hé, ou la la hé, a dit la hé. Montagne bête, mon matelot, montagne bête, montagne bête, mon matelot, montagne bête. Atilaé, oulaé, lalaé, atilaé, oulaé, lalaé. La pluie, soleil, potent cyclone, la terre dit bouger que nous la soir. L'homme, famille, enfant, l'espoir, nous disons des ânes, quand je dis sans. La rivière dit sans nous l'encouler, qui vend à tes enfants souffert, soleil monte tes enfants brûlés, cyclone battait l'espoir couvert. Oulaé, oulalaé, atilaé, oulalaé. Montagne bête, mon matelot, montagne bête, montagne bête, mon matelot, montagne bête. Atilaé, oulaé, lalaé, atilaé, oulaé, lalaé. Elle a nous connaît qui nous pour faire. Tout dit mon fils intéressé les deux. Nous pouvons jusqu'à secondaire. Pour nous commande nous l'univers. Nous n'est plus bien grand dada. Et que nous l'idier et que nous la main. Pour faire si mélodieux tous les deux. Pareil nous finit dans tout. Oh la hé, oh la la hé. A-t-il la hé, oh la la hé. La question de départ, c'était qui manière, à qui moment, langue créole, qui sortit d'une langue de communication, de résistance, livine une langue d'émancipation. Moi, je ne suis pas historien, je pense que je suis un historien mieux placé que moi pour dire qui émancipation esclavage de Maurice, lui, en fait, plus relève d'une démarche politique. Bien sûr, il y a un accompagnement linguistique là-dedans, mais moi, je ne pas pensé qu'il. Mais qui fois besoin faire encore essayer pour essayer de guetter si vraiment c'est qui m'a pété à la livrée. Je pense que je ne pas sûr que créole joue un rôle majeur dans l'émancipation esclave d'Amaurice. Je pense qu'en fait, tentative en anglais
pour essayer de mettre fin à l'esclavage parce qu'il tient une pression. Mais là encore, c'est un historien qui est mieux placé pour dire ça, parce qu'il tient une pression, notamment une pression depuis le Parlement anglais. Le plus important, en fait, c'est qu'il peut passer vraiment le terrain dans Maurice. Donc ça, c'est une première affaire. Deuxième affaire qui me tient envie de dire, c'est une autre cause, en fait, l'urban document en créole. Nous vous connaissons, en fait, qui dans la tradition britannique, il a toujours un souci respect langue maternelle manézo-dimoun. Entre 1829 et 1835, sa protecteur d'esclaves, ex-soban subordonné, Zotti André record plus qu'il 1200 cas que ban esclave peut protester contre Zot Met. Et tout ça ban cas-là, il en créole ça. Alors, c'est ban travailleurs qui sortit la plupart depuis ban plantation sucrier, qui se peut révolter d'une certaine façon, se peut lever la voix contre une certaine condition de vie et de travail lorsque une plantation sucrière là pendant la frénésie sucrière à l'île Maurice. Alors, ce créole, il tient des outils importants pour eux, à cause, c'est à travers le créole qu'ils ont pu communiquer, ils ont pu dire à sa protecteur d'esclaves, la guetter. La vie d'Ambez, créole, il tient un langage très important dans la résistance pour l'esclave, dans l'émancipation symbolique. Spécialement dans la résistance contre Zot Met. Il y a une façon verbale pour Zot communiquer cette souffrance et comment Zot fait envie d'amener sa souffrance-là et que faire du monde connaît ça. Donc nous faisons résistance, nous faisons conflit. À nous retourner un peu vers l'Afrique avec Momantua qui interprète la danse des guerriers. Remarquez avec les temps que la danse, par exemple, la musique avec la danse, quand nous guette l'expression musicale qui finit subsister avec les temps, et na, ça l'africanité qui souvent nous retrouve aujourd'hui, par exemple, dans le groupe qui nous finit tendé, nous pas retrouve dans nos Sega, par exemple, dans l'expression qu'il tirait la musique qui finit pendant des décennies, nous pas tirer trouve qui fait ça. Est-ce qu'il finit un métissage la musique? Est-ce qu'il finit une nouvelle musique? Qui est ça? Jean-Zac, mon quoi question là, comme a dit, il y a des routes nous. C'est quoi l'africanité? Qui connaît qui ces gars-là? Ils aiment les des Africains, bien qu'ils puissent évoluer leur territoire donné. Question qui nous impose nous, qui fait nous danser comme ça? Qui fait nous jouer comme ça? Et alors qui le colon d'autrefois, il pas joué ces gars-là. Même le British là quand il vient, il pas joué ces gars-là. Pourquoi il y a un petit peu rapide, trop rapide pour dire qui dans le Sega ne pas trouve l'africanité? Non, et non, et non, africanité, non. Parce que la peau, tu connais, danse pieni, avec la force, hein, bon, il n'y a pas qu'à 100% africain, parce que tu es venu dans Maurice, tu as plusieurs
Manière, les jeunes qui viennent ensemble. Mais je suis content de connaître quelle manière ça a lien fin faire entre la langue et la musique à ce moment-là. Quelle manière ces gars fin santé en créole sur le plan purement linguistique au départ et quelle manière la langue fin amène la musique. Et qui manière éventuellement, il y a un phénomène d'identité. Mais la musique, il y a un esclave, quand il y a un baptême, il y a un coup de fouet, l'OTAN. Je te peux ramer. Tout à fait, c'est une bite dans le jeu. Moi, je prends le bateau, je fais quelque chose, je me donne la série, quand il est déroulé, je fais doum, pac, doum, pac, doum, pac. Et quelque chose, il rentre dans la tête, je me soin, il dit. Tellement esclave, il gagne beaucoup de problèmes dans les passés avec Zuti, ce coup de Zuti qu'il est tapé, il vient taper le régulier, et ce coup de l'or, c'est bien régulier, et en même temps, c'est un métronome dans le lit, et qu'il passe une professeur de musique à l'époque, il vient une d'une façon sans ça. C'est un peu comme ça qui nous bougeait. Sur le plan linguistique. Non, d'abord, sur le plan musical, mais encore une fois, mon cause sous correction, ban musicien, si, comme dire, nous guette ces gars. Et nous avons des gars dans Maurice, nous avons des gars dans La Réunion, nous avons des gars dans Seyssel. Et si nous comparons ça avec la bande musicale, est-ce que la bande radio, en fait, permet nous écouter en fait, un petit peu la musique qui peut sortir Madagascar et de l'Afrique? Et il y a des constatations qui nous ont à faire. Première constatation, c'est que la bande Sega, Sega Maurice ou Sega La Réunion ou Sega Maloya La Réunion ou bien Moutia Seyssel, il est assez différent avec une forme d'expression musicale dans Madagascar et dans l'Afrique, qui veut dire qu'il y a une certaine part d'originalité, de métissage musical qu'il fait dans Banzil. Première affaire. Donc, une affaire assez originale, une sortie, une émergée. Parce qu'il ne pas retrouve cette forme-là telle qu'elle dans un pays de peuplement côte ban esclave sorti. Ça, c'est première constatation. Deuxième constatation, c'est qu'en dépit ban originalité, ban forme musicale, La Réunion, c'est celle Maurice, et il y a aussi ban élément en commun, une forme d'expression musicale en commun. Donc, lui montrer qu'il y a une originalité et en même temps, il y a ban port commun entre sa ban différentes formes musicales-là. Donc, ça, c'est la première affaire qui caractérise. Deuxièmement, deuxième question, c'est en fait quelle manière langage rentre dans l'expression musicale. Pourquoi? À part quand Dimoun Bizin exprime cette émotion, je exprime cette émotion dans langage qu'ils ont maîtrisé. À partir du moment que créole vient langue première, c'est-à-dire langue maternelle, ban Dimoun, ban Mauritien, donc là, quand je t'ai plus vous avez une expression faux, plus vous exprimez, plus vous pourrez exprimer dans le langage qui permet d'exprimer l'émotion plus facilement. Et le langage qui permet d'exprimer l'émotion plus facilement, c'est le langage créole. C'est comme ça, en fait, que créole rentre dans l'expression musicale ban esclave et ban. Mais est-ce qu'il y a un lien entre ban faux musical, je veux dire, sociologiquement? Entre par exemple le maloya ou même le blues dans l'Amérique, ben, la musique qui naît dans la souffrance. Est-ce qu'il nous est capable de dire quelque part que le phénomène Sega dit aussi sa même histoire, fin vivre même histoire. Et il y a des questions. Vas-y, Bruno. Ouais. Et moi, on pensait qu'il y en a rien parce que qui fait, pour tout le ban esclave inhalé. Hein? Enfin, quand le ban colon inhalé, c'est une sorte ban esclave. Et nous pourrions remarquer, même dans blues, nous poussons en chili, même dans le banzil, enfin, partout. Pour moi, il y en a rien. Hein? C'est un qui, bon, des fois, nous dit, c'est un qui appelle black music, par contre, hein? Qui, ben, on appelle ça comme ça avec les temps. Mais pour moi, ouais, il y en a rien. Pourquoi Nitin, s'il y a une réaction par rapport à ça? Oui, et moi, je me dis, là, nous débat Marie Seyé, mais c'est moi, direction qu'il y ait pas, nous peut être un petit peu dérouté. Qui fait, c'est les gens qui ont une connaissance musicale, c'est qu'il y a une tonne de Sega, puis qui Sega, il fait, et il y a une mélange aussi, un tal dans la musique hindoustanie, c'est Dadra. Il y a une ressemblance avec Sega. Et là, c'est un grand mystère qui nous charme autant de découvrir. Donc, il y a un métissage quelque part qui fait entre la musique de l'époque peut-être indienne et aussi africaine. Non, mais le métissage là, moi, on pensait qu'il est logique aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une fois que tu écoutes M. Emmanuel Juste, tu peux dire qu'il y a un village, il fait pour un esclave africain et un coulis. Mais Bruno, hein? Et tu connais.
Ouais, tu connais, tu peux dire, moi, je suis là parce que longtemps, tu n'as pas l'esprit de partage. Mais oui. Longtemps, pas tu n'as Mireille. Pas tu n'as Mireille, pas tu n'as Samantha Fela. Et Carrie, tu es à l'écouter, tu partages la musique, tu partages manger. Oui, voilà. Moi, quoi, une petite affaire. Peut-être Sega lui-même, le mot, toujours. Sega, Sega. Il a plus d'origine, ce mot-là, Sega. Il y a une Sega. Mais dans les tendances, probablement rituelles. Par Madagascar. Est-ce qu'il nous retrouve sa danse rituelle-là ailleurs? Justement, c'est un instrument ordinaire, comme un sac avec haricots dedans, secoué, avec deux, trois tiges collées ensemble, c'est la musique ordinaire. Après, il y a un bobre africain, il y a un maravan malgache, et là, ravan aussi. Et ça, ben, la musique, ben, l'instrument-là aussi, à part le maravan, bobinalé, et Raval, je finale. Ça veut dire qu'il finale, duplique, il finale doucement, doucement, sa africanité que je dirais là, il finale enlever ça, sa émotion qu'il y avait dans la danse du Sega, ce passer la parole, hein, ce oui, mais danse, est-ce qu'il a... piétinement, ouais, mais est-ce qu'il sa rituelle là, est-ce qu'il nous retrouve quelque part dans l'Afrique, par exemple, la danse Sega, comment nous danse oui, dans... Les Panafricains dansaient aujourd'hui, ils ont compilé, allés un et à l'autre. Je t'ai un geste un peu, nous appelons ça la chif, je t'exprime quelque chose. Aujourd'hui, avec le temps, avec les finales, doucement, comment se met l'instrument. Tu as vu mentionner que pendant les temps de l'esclavage, mais beaucoup de cas, quand tu es un esclave, tu peux aller demander balle. Ah, ça oui, c'est vrai. Et non, c'est et non que, oui. Selon pour lui, tu es une complainte, depuis ban maître d'esclave ou même ban magistrat, ou même dans ban place comme le savane et que grand pot, que ban grand établissement sucrier. Tu es un esclave, tu es ban maître, tu es puni ban esclave. Qui fait à cause de la nuit, tu es disparu, personne ne connaît. Les là, les temps peut demander mais détachement ou un ban police coloniale a découvert qu'il ben là, tu es dans une place isolée, tu peux danser, ce qu'on appelle dance near the fireside, tu peux danser, que tu fais. Et pendant cette époque-là, les 20 dernières années de l'esclavage, ben esclaves régulièrement, tu peux aller dans une balle, qu'on parmi eux-mêmes, tu peux danser, mais le reste, les... Rada? Non, simplement, un seul petit détail, c'est qu'il nous a fait une distinction entre une condition sociologique, conditions sociales dans qui tu peux vivre et réalité strictement musicale. Et la musique c'est en même temps et une libère esclave d'une façon parce qu'il un porte esclave quand tu donnes l'endroit et il connaît pour un Sega le place ben là il donne une nouvelle pour un Sega le place quand il allait il reste pas là même là ben après il est esclave. La musique finalement une belle libération l'esprit l'homme et tout hein. Et Alain, un pays, la musique, ce contribution qui nous rend dans la vie esclave, qui nous fait esclave, libérer lui-même avec beaucoup de affaires et nous reste encore pour libérer. Ouais. Travaillez au dîner pays, prends de courage et l'espoir, continue la lit nous l'histoire. Enzo nous soleil pour lever, nous grand soleil pour lever. Enzo nous soleil pour lever, nous grand soleil pour lever. Travaillez au dit nous pays, en cette courage et l'espoir. La lit tout l'histoire. Et sous le soleil pour lever, nous grand soleil pour lever. Et sous le soleil pour lever, nous grand soleil pour lever. Et sous le soleil pour lever, nous grand soleil pour lever. Et sous le soleil pour lever, nous grand soleil pour lever. Travaillez au digne nous pays, en ce courage et l'espoir. La lit de l'histoire.
dans la flamme qui fait nous famille. Dans la flamme qui fait nous famille. Tout bon esclave et couli. Tout bon esclave et couli. Une bien trimérée de la vie. Vous nous dites Maurice bien joli. Vous nous dites Maurice bien joli. Dans la flamme qui fait nous famille. Dans la flamme qui fait nous famille. Tout bon esclave et couli. Tout bon esclave et couli. Une bien trimérée de la vie. Vous nous dites Maurice bien joli. Vous nous dites Maurice bien joli. Travaillez au dit nous pays. France de courage et l'espoir. La lit tout l'histoire. À travers le système capitaliste, à travers le système capitaliste, tout bon travail est écrasé. Travailler écrasé. Et l'humanité fait pleurer. Justice sociale pas trouvée. Justice sociale pas trouvée. À travers système capitaliste. À travers système capitaliste. Tout bon travail est écrasé. Tout bon travail est écrasé. Et l'humanité fait pleurer. Justice sociale pas trouvée. Justice sociale pas trouvée. Travailler dans tout le pays. France de courage et l'espoir, continue la lutte de l'histoire. Si nous les finis capitalistes, si nous les finis capitalistes, nous visons casser comme une allie. Buena société socialiste, buena pour tout l'assisté. Buena pour tout l'assisté. Si nous les finis capitalistes, si nous les finis capitalistes, nous visons casser comme une allie. Nous visons casser comme une allie. Buena société socialiste, buena pour tout l'assisté. Buena pour tout l'assisté. Travaillez aussi tout pays. Courage et l'espoir, continue la lit de l'histoire. Enzo, le soleil pour lever, nous grand soleil pour lever. Enzo, le soleil pour lever, nous grand soleil pour lever. Enzo, le soleil pour lever, nous grand soleil pour lever. Enzo, le soleil pour lever, nous grand soleil pour lever. Enzo, le soleil pour lever. Grand soleil pour lever. Enzo, le soleil pour lever. Nous grand soleil pour lever. Enzo, le soleil pour lever. Nous grand soleil pour lever. Enzo, le soleil pour lever. Nous grand soleil pour lever. Enzo, le soleil pour lever. Nous grand soleil pour lever. Une langue avec la musique et ensuite une recherche d'une nouvelle identité. Souvent, question là posée, laquelle il vient avant? Est-ce que la langue vient avant ou la musique vient avant? Il y a des discours. Il y a ben Ségatier, ben Santerre, ben musicien dire que c'est la musique qui amène la langue et les autres dire que la langue qui amène la musique. Qui était la vérité? Enfin, moi, il y a qui m'ont ressenti, dis-moi, parce que quand ça qui m'ont appris, quand m'ont retourné à l'arrière, moi, on trouvait que c'est pas la langue créole qui amène la musique, c'est la musique en diem, parce que comme Ramindia est allé là, c'est tout ça que nous, tu peux faire, dit dans nous-mêmes, ça, c'est côté physique même, tu nous gagnes un coup de fret, nous crions, et même au niveau, comment dire, quand nous travaillons, nous travaillons dans un rythme, nous travaillons dans un feeling, nous travaillons dans la même souffrance. Hein, nous travaillons mais Bruno, feeling, tu as besoin d'un mot pour exprimer le feeling là, de la musique? Non, pas forcément, parce que. Mais comment tu peux capable d'exprimer le feeling? Nous avons exprimé nos feelings, nous avons exprimé nos souffrances. Nous avons exprimé, hein, parce que pas forcément qu'il faut énormément. Mais un Sega ou une musique de souffrance, les tennis sans parole?
Ça qui est bon, peut dire, et moi prouve ça que tu peux dire, parce que te composer, mon composer, et moi, mon mélodie vient avant, tu connais, mon mélodie vient avant, les affaires-là viennent, tu connais, quand les affaires-là, tu connais, parce qu'il te connaît, Ram, parce qu'il toi, nous pas nier l'olive, mais avec nous peut dire avec nous les cœurs, Ram, nous les cœurs battent l'OTAN. Ram, oui. Parce qu'il te connaît que la parole a existé. Ces paroles-là, pas qu'il existe. Non. Et nous disons aujourd'hui. L'engage-là existe. Non, nous disons aujourd'hui, et nous fiers aujourd'hui, qui. Nous sommes capables, avec nos richesses musicales, nous sommes capables d'intégrer nous langues créoles, le ségué, le reggae, de beaucoup plus à la musique, nous sommes capables d'intégrer. Là, sur le plan linguistique, qui tenir? Mon cas, d'abord, là, nous pouvons fonctionner lorsqu'il nous appelle une hypothèse, parce qu'en fait, nous n'avons aucun témoignage lorsqu'il nous passait à l'époque le plan oral. L'hypothèse, c'est que, comme un esclave, Vin Maurice, je devine avec une expression musicale, mais qui est exprimée dans un langage. Mais à partir du moment où les enfants nés et que les enfants passent à la langue, cette première langue, vine langage créole, comme tu peux dire, la langue dont qui exprime l'émotion, c'est cette première langue, cette langue maternelle. Donc à partir du moment où les enfants qui prennent naissance et commencent à cause langage créole, là, l'expression musicale continue. Mais seulement quand nous passons depuis une génération à l'autre, l'expression musicale, licence, médium, nous passe depuis langue ancestrale à créole comme médium. Nous brûlons une belle étape parce que pendant une bonne période, après la période d'évangélisation des esclaves, nous trouvons que le séga considéré comme une danse qui n'est pas correcte pour l'Église de cette époque-là. Alors nous trouvons une période de somnolence à côté. Et la musique, le séga, n'est pas officiellement. Oui, mais ça fait tout lire. Mais Benjamin Moutou, ça finirait c'est un phénomène jusqu'à bien faux temps, même après l'indépendance. Oui, dans alors, Maurice, séga, 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 dans beaucoup de milliers. Pendant bien longtemps, tout ça qui vient de l'Afrique, tout ça qui vient de Madagascar, tout ça qui vient de l'Inde même, considéré comme étant pas important, pas sérieux, pas pris en compte, banalisé. Alors, ce qui est important, tout ben chanté qui vient de l'Angleterre, qui vient de la France, ça l'est accepté. Donc tu ferais une santé dans l'époque, quand tu m'as dit, Séga, ou la langue créole, tu dans une période de somnolence. Oui, alors le Séga, il vient, tu m'as dit, réprimer l'Église contre le Séga. Il dit, il y a une danse licencieuse, une danse Séga. Donc, Séga, il rentre, tu m'as dit, dans une période de somnolence. À quel moment sa recherche d'une nouvelle identité, vraiment utilisée par Bandi Moun qui fin proclame zot de la créolité, qui fin dire que, ok, créole c'est nos langues, séga c'est nous la musique, mais à quel moment vraiment ça a des phénomènes-là fin liés, comment dire, pour amener une nouvelle identité culturelle? Oui, moi, je suis content de dire qu'un des premiers Jimoun qui commence tout ça qui s'est aillé, bien cause en français, bien cause en anglais. Mais je suis surtout en français. Mais un Jimoun qui casse ça, puis cela. Père Laval, il y a un des premiers Jimoun qui lit les prêches en créole. Mais après Père Laval, dans l'église, tout le temps, il y a des affaires français. Mais un Jimoun, le docteur curé, qui est fondateur du syndicalisme, lit les causes en public en français. Son message pas trop passé, en qu'il qui malgré qu'il ait fait qu'il finisse au pays d'égal dans l'Angleterre, pays d'égal, l'État l'y retourné, et comme il tient des enfants nés la route bassin quatre bonnes, les chicons créoles, l'éline cassent de pisseau capable de dire, il commence cause créole. L'État les cause créole dans le meeting public, même un député comme la Kinarène, qui sont aussi cinquième dans l'élection. Là, nous cause le mouvement syndical, qui manie le mouvement politique récupère le créole. Pour être quoi? Pour être un outil poli de communication? Un outil politique d'émancipation, parce que la masse comprend créole, la masse message en français, là, il ne peut pas passer. Créole, c'est un outil presque pédagogique aussi, dans le sens qui, banaz, tu peux dire, curé, parti travail, tu peux montrer ban travailleur qui ont droit, comment ils organisent eux-mêmes, et comment ils sont capables d'organiser eux-mêmes pour gagner ce ban droit-là. Et ça même dit, comment nous causons créole dans le 19e siècle pour la résistance pendant l'esclavage? Quelle manière créole rentre dans la campagne? Livine, un outil de communication et d'intégration. Il y a des affaires qui mobilisent à faire sortir. Il y a dans la région rurale. Il y a des petites affaires. Jean-Jacques? Oui, bien vite.
Et même dans les années 1840, il y a un ancien esclave et un immigrant indien qui restent dans la même habitation. Et il y a aussi un indien qui travaille côte à côte avec un ancien esclave. Alors, nous n'avons pas besoin de faire une ségrégation. Un descendant esclave tient de côté tout le temps et un descendant d'un immigrant indien. Et moi, parce que la période 1840, les années 1840, il y a même immigrant indien qui travaille pour un ancien esclave. À cause de ça aussi, un petit planteur. Donc, ça métissage-là, ça intégration-là, oui, mais ça veut dire, quand nous pensons qu'il y a un indien qui est une cause créole dans même le 20e siècle, ce n'est pas vrai. L'oracle est dans un manuscrit qui montre qu'il y a un indien qui tient cause le créole, comme ça, je garde communiqué. Mais quand même, je voudrais dire des affaires, te permets-moi. Et ça, c'est une façon assez officielle de définir, comment dire, qui finit un consensus pour l'admission de la langue créole dans ce pays-là. C'est une façon assez utilitaire et politique. C'est-à-dire, nous servir la langue-là pour nous capables de conscientiser Bandimoun et nous gagner en masse à une cause. Mais pourquoi quoi créole la campagne ou même dans un quartier rural pour lui, il attend qu'il y ait un politicien ou syndicaliste utilise la langue créole comme un outil d'élection ou de politique, pour reconnaître même la langue créole, c'est une pratique, c'est une vive. Et c'est ça qui, jusqu'à aujourd'hui... Mais un politicien, un syndicaliste, pas fin, quelque part, aide à accélérer l'utilisation du créole comme un outil d'intégration et de communication. Oui. Je fais dit plein temps, je donne coup de main, je ça pour eux. Tu dans un mouvement culturel dans les années 70. Non, mais vous avez pris avant, plus pour les hier, tu as l'air de 70. Et si mon camarade d'un fait ça, et je fais dit sincèrement, pour faire comprendre, correct, passe pour parler de parlement, bien n'importe quoi, pour être capable. Gagne du monde qui comprend ce jeu. Ce n'est pas un intellectuel, mais qui pour faire ça. Si vous pouvez cause français ou cause anglais, ben obligé cause créole là. Et en un moment, que vous me rappelez, et ben si débat, comme moi demande base, et on appelle Baïka. Baïka, vous connaissez ça qui crée Baïka. Et Baïka, je veux dire, assisé, discuté. Quand fini, je te chante, de Baïka là, moi me rappelle d'un Baïka, c'est un Sinois qui est président Baïka là. Un Sinois, et de Radbourne. Bon, c'est noir, très bien. Nous t'y fais vivre président Baïka. C'est une affaire, grande affaire, ça. Mais, et sinon, là, tu causes bouge pourri. Créole, tu peux causer bouge pourri. C'est un mélange, en quoi un mélange, là. Mais moi, j'espérais que ça continue. C'est allé au coucou, j'en le soin. Ce qui est intéressant, en fait, dans l'histoire créole, c'est que dans les années 70, pour moi, les années 70, il est important parce que non seulement il y a une lisase extrêmement important langage créole, mais en même temps, en fait, il y a une lalite pour qui reconnaît langage créole son mérite. Ça, et reconnaissance aussi, vient après, ça. Reconnaissance vient après, mais en fait, il commençait dans les années 70. Ram, où fin vive pleinement les années 70, côte créole, c'est un véritable terrain de bataille, une façon revendique beaucoup d'affaires. Qui bilan est dans de cette période-là? Bon, ça à l'époque-là, moi, je suis bien zen, je suis quand même 18 ans, 19 ans, on a fait pareil. Moi, je suis plein la force, plein l'énergie. Et pour ça, je remercie tout mon grand-père, esclave, mon coulis, etc., qui amène un langage qui aussi une grande valeur, qui nous trouvait personne ne peut utiliser. Bon, à partir là, qui nous commence. Écrire, nous gagne plaisir à lire. Moi-même, j'ai commencé à écrire mon langage créole. Et là, nous trouvons, comment dire, une parole qui dit, « Pela barré, nous pouvons venir. » Mais la vérité, le langage créole, avec tout cela, force, l'invenir, sans système-là, mais bon, système avec ça à l'époque, avec ça à l'époque des années 70, quand il y a une utilisation optimale, massive du créole, finirait partout, dans le milieu syndical, dans le milieu politique, avec un groupe culturel partout. Et finalement, un gros phénomène de d'ethnicisation en fait, du créole, parce qu'à un moment donné, créole tient un phénomène beaucoup plus associé par rapport à la communauté afro-mauricienne. Et c'est ça l'époque-là, en fait, qui fin témoigne sa d'ethnicisation du créole. Rada. D'abord, les années 70, c'est création littéraire en créole. Création musicale, c'est aillé, santé engagée en créole, lui donne en fait une nouvelle dimension langage créole. C'est ensuite l'isage créole dans les médias, notamment à la radio, à la télévision.
mais c'est surtout un gros travail de conscientisation qui fait par les militants créoles pour qu'ils reconnaissent créole sa vraie valeur. Donc ça, c'est les années 70, mais au Pécos, problème d'ethnisation, connaît qui créole, les fins à la fois symbole, un symbole national, symbole d'unité nationale, mais en même temps, contradictoirement, symbole fin toujours aussi associé avec un groupe ethnique. Donc, les années 70, les marquent une tendance un peu plus importante vers ce phénomène d'ethnisation-là, qu'on peut reconnaître créole à la fois comme un bon outil de communication efficace, mais aussi comme un outil qui est capable de cimenter la population. Mais ça, ce phénomène-là, il a commencé dans les années 70, et ensuite dans les années 80, il est reculé un petit peu. Dans les années 90, il a aussi été raté. Moi, je dis langage créole, créole pour moi. Créole pas pour Jean-Jacques, ni pour Bruno. Bon, grave, couler là, langage pour nous. Non, langage pour nous. Langage pour moi, je cause très bien, je cause avec les autres gens qui ne sont pas créoles, je cause créole. Si je ne cause pas créole, je suis malade. Hein? Bon, c'était quand pour besoin de ni ce valet juste, ben là, dit, bon, créole pas pour moi, créole pour toi. Mais il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. Et c'est nous qui sommes esclavagistes dans l'ensemble. Quand nous cause esclavagistes 169 bananes aujourd'hui, qui nous cassent la scène, mais c'est une folie dans nous la tête. Une folie dans les corps, une folie là-haut, mais il n'est pas correct. Mais quoi, c'est que je peux dire, tout le monde comprend ce que je peux dire, et un esclavagiste qui nous encore peut vivre, hein, comment me dire, esclave maman, esclave papa, esclave papa, esclave patron, esclave patron, esclave un système, esclave un système, un autre système qui tombe de l'autre côté, dis-le. Senti une souffrance qui fin déroule pas la montagne, les mots.
épaules là-bas. On sentit une souffrance qui fait déroule par la montagne les mots. Passez une camouflée, nous pas nous SPNP dévoile ses irréalités. Une bande domination exagérée qui s'est traversée. Un petit gros coupable se dévoile ce qu'il a mérité. Au respect raconté, ma femme m'a violé, sexualité abusée. Ma grand famille a interdiré, ma nous pitié ébranlé. Moi, on croit que nous avons désengagé nous cette affaire que créole esclavage. Oui, sur l'origine. Mais l'étant le lit, nous rentre dans l'histoire, depuis 1872, c'est une commission royale qui ne ferait pour les conditions de vie des bien immigrants indiens. Sa commission royale, qui avait le frère Williamson, il dit comment un immigrant indien fait cause créole. Qui veut dire créole, l'île est déjà bien présent. Tout ben indien qui n'est maurice, qui n'est pas parti immigrant, se met au créole. En somme, créole, il dit, bah, c'est un dernier qui fait cause créole de la campagne. Créole est bien présent partout, dans l'école, dans partout, dans la police, où tout le monde donne des positions, il commet un crime, il y a un problème sur Marine Batli. Tout ça, la police peut prendre en créole. Il n'est pas des années 70 seulement, ça. Il est un phénomène bien avant. Mais il y a une utilisation plus massive. Oui, mais il y a une fausse honte vis-à-vis du créole. Quand des étrangers peuvent venir, moi, j'avais là, on siftait un petit coup de français. Mais après, entre nous-mêmes, nous avons cause créole. À tel point, nous remarquons un phénomène, en Australie, tout ça mène du monde qui ne quittait pas l'Australie. Là. Je dis cause français. Étant moins découvert en Australie, tout ça, ben Mauricien qui ne quitte Maurice, qui peut exposer en anglais, mais dans la case avec cause créole. Non, mais comment explique ça, fausse honte par rapport à créole? Tiens une fausse honte savamment entretenue, qui veut dire, d'ailleurs, il y a du monde dire, dans la case, pas une cause créole. Et il y a du monde qui empêche cause français aussi, qui veut dire cause ou créole, qui veut dire créole, il s'identifie comme une langue un peu inférieure. Mais tout ça, tabou, tout ça pisseux, tout ça fausse honte là, l'île disparaît et nous capables de dire que mon quotidien a plusieurs étapes à partir du fait qu'il nous peut cause créole dans le meeting public et nous peut cause créole, nous là, même dans l'école pour expliquer certaines choses et qui finalement dans les années 70 l'y atteint sa plénitude et créole, nous capables de dire, l'y vient épanouir à partir beaucoup plus dans les années 70. Nous allons dire, à partir de l'année 70, langage créole, il y a un bouclier devant lui. Il y a un défenseur. Il y a un solide de créance. Il y a un défenseur, il y a un intellectuel, il y a tout qui participe dans la langage. Il dit, bon, ok, attention, pas pointe les doigts au créole, nous cause créole, nous débattons en créole. Créole dans les années 70. Nous faisons respect langage créole. Créole dans les années 70 prend forme d'une nouvelle identité culturelle propre à Maurice. C'est comme tu voudrais te faire connaître aussi comme une identité. Il n'est pas besoin d'oublier que pendant plus de deux siècles, créole est identifié comme langue classe défavorisée à l'île Maurice, soit l'esclave, descendant esclave, immigrant indien et ses descendants. Vers la fin de l'esclavage, on finit mentionner qu'il est une langue de résistance qu'on doit admettre. Dans les années 1930, on fait guetter qui ban politicien type service à ban syndicaliste pour faire conscientisation ban masse. Moi, je me trouvais en tant qu'un historien qui, pendant les années 70, qui le même une faire, et que même JWF et ban les autres organisations pour promote créole, il y a en train de culmination, un processus qui s'est commencé sur le plan politique et syndicaliste depuis les années 30-40. Et que ça a une carried over. Donc, l'IFIN est un outil d'émancipation, en fait. Oui, dans ce contexte-là, oui. Émancipation. En fait, qui n'émancipe? Est-ce qu'il émancipe la langue créole ou bien créole finit utilisé pour émanciper ban travailler. À cause qui fait, tu peux dire, tu peux montrer d'autres droits.
qui ont droit, comment capable organiser, comment sont capable. Mais ça phénomène d'utilisation pour émanciper les travailleurs, qui permet aussi émanciper le créole quelque part. Radha. Non, à partir du moment que tu servis un langage comme un outil de communication de masse, ou donne-lui une fonction importante. Et donc, on a un rapport à des niveaux, dans les deux sens. Un côté où servi pour donc favorise l'émancipation d'un groupe défavorisé. L'autre côté, quand on servi lui, ou associé lui avec ce groupe-là, et au fur et à mesure que ce groupe-là gagne promotion sociale, donc à ce moment-là, sa promotion sociale qu'ils ont gagné là, il est accompagné avec promotion sociale qui l'engage là aussi gagné. À la fois parce qu'il l'engage là, il est associé à ce groupe-là, mais aussi parce qu'il engage là, via des outils de communication de masse. Tu veux dire, tu as là que la langue créole, quand tu peux cause l'évolution de la langue créole dans les années 70, après, une cause d'ethnicisation, nous finissons dire finalement raté ensuite. C'est quoi les... Oui, quand... Est-ce qu'il y a un phénomène de réethnicisation? Oui, finalement une tentative, et encore toujours une tentative pour associer la langue créole avec un groupe ethnique. Et moi, pensez, moi, qui les... un jouet un petit peu dangereux, parce qu'il est important qu'il y ait dans un pays multiracial, pluriethnique, donc où il y a un des trois outils, où il y a un des trois l'instrument qui a servi pour l'unité nationale. Et créole, c'est un des rares instruments qui nous est là, pour ne pas qu'il s'abandonne l'instrument qui nous est là, à cela où, comment dire, où dilapide sa... ou PDL. Donc moi, je pensais qu'il est extrêmement dangereux qu'il aurait ethnicisé, qu'il aurait associé créole avec une langue ethnique. Au contraire, nous faisons un continu processus d'ethnicisation créole, associer créole avec tout le monde comme un outil d'unité nationale. Et le facteur que vous avez souligné, le système éducatif doit aller à distance. Créole pas enseigné dans le système collège, école, les gars. Emmanuel, juste, soyons raisonnables. Est-ce que vous pensez, dans Maurice Zaudi, le créole, malgré place qu'il y en a ou place qu'il est capable d'en avoir dans comment dire, l'affirmation de l'identité nationale contre nous, est-ce que le créole est capable d'être introduit dans l'école? Ah ben, déjà décidé. Moi, je trouve qu'il n'arrive pas, il faut y intégrer, parce qu'il y a un langage, comme tout langage, nous disons comment se fait une BA créole, en créole. Rada ou un créolophone très, très connu à ce niveau-là, qui vous pensez? Par exemple, nous traversons l'île, en fait, nous cause, qui manière créole qu'on a utilisé comme un outil pour intégration nationale, pour qu'il y ait un ciment d'unité nationale, qui manière, vous pensez, créole qu'on a introduit, on fait beaucoup les titres là. D'abord, je suis content de dire effectivement que c'est un autre débat complètement. Tout à fait, non, dis brièvement. Bon, maintenant, si on m'a dit ou envie de servir créole dans l'éducation, il est important en fait qu'il vous serve l'éducation créole pour améliorer la qualité au système éducatif, mais si vous faites ça, vous devez connaître qui manière vous servez, qui fonctionne vous donne. Mais seulement, avant que vous fassiez ça, il y a un travail important pour faire. Vous pouvez servir déjà, par exemple, dans MBC, vous pouvez servir créole pour faire l'information. Et quand un journaliste fait l'information, quand vous avez un mot comme un couvre-feu pour se traduire en créole, vous avez un problème. Donc, vous n'êtes pas capable, en fait, réfléchir à l'intégration créole dans le système éducatif si vous avez un travail préliminaire pas faire. Il y a des travails préliminaires besoin faire. Il y a même trois travails préliminaires. Ou créole besoin d'une graphie. Et ça, l'État mauricien besoin prend la responsabilité politique, donne créole une graphie officielle. Deuxièmement, créole besoin a un dictionnaire officiellement reconnu. Et troisièmement, il y a un travail pour faire le grammaire créole. Et en même temps, il y a aussi pour continuer à promouvoir la production littéraire dans créole. Radha, merci. Sans doute, il y a un autre débat. Et nous sommes capables, sans doute, à l'occasion, de revenir l'utilisation créole dans l'école, dans l'autre débat. Nitine, tu as quelque chose pour dire peut-être 10 avant par rapport à l'utilisation créole dans... Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est que moi, je finis en 81. Je finis l'occasion pour que toi aies 20 ans et je finis vivre ça là à travers 20 ans. Et les moins grandis, dis-moi, toi, mon garçon, moi, je fais maternelle, ça prend mes affaires, et dis-moi, toi, école maternelle, il peut dans toute la case, l'éducation académique, philosophique, culturelle, et quand l'école culturelle, il montre-moi, moi, ce gars, il montre-moi comment écrire créole. Je suis bien content.
Avant d'apprendre français, anglais, moi j'apprends cause créole et créer créole. Mais là, moi grandis, moi commence à faire littérature, moi commence à découvrir beaucoup d'affaires. Et que, heureusement, la question, est-ce qu'il veut même sa manière qu'il montre, moi, écrire créole, là, c'est ça même comme ça qui écrit ça. Parce que si on dit à bois, si on dit à bois, c'est qu'il y a créole, il y a B-O-I-R. Et moi, j'écris B-W-A-R. Il dit à bois. Vous posez-moi la question. Et sinon, les affaires, c'est qu'il dit, on peut dire à bois créole dans l'école. Et ce qui fait avant tout meeting, fait en créole. Qui fait créole par dans l'ensemble. Dans les années 90, finalement, un nouveau mouvement musical qui fin né et créole fin langage créole fin adopté aussi ça va le mouvement là le reggae muffin, le segue, le hip hop, le rap et c'est une nouvelle forme de musique comment dire qui naît comment dire revendicataire dans Maurice Bruno. Ah oui, livret, ce qui te veut dire, surtout les années, la fin des années 80, 90, et nous finissons gagner une nouvelle vague de musique qui finit venir, comme le Ségué, sans oublier avec Kaya, hein, qui nous vient un grand respect, qui finit évoluer nos cultures. Et après, finissons plusieurs groupes rap mauriciens qui finissent venir, tels comme Dance Monsters, Street Brothers, finissent venir avec nos langages, finissent reste créole, nos styles de la musique finissent évoluer. Et nous finissons adapter aussi certains styles de musique tels comme ragamuffin qui finit en Jamaïque. Qui fait nous pas utiliser Sega, Sega qui tient la musique qui tient née dans la souffrance, qui tient. Non, nous a fait que moi j'ai envie de dire. France, puis nous fait une sens forme musicale pour exprimer la révolution. Nous a fait que moi j'ai envie de dire qui la langue créole aussi dit tient pour autant qui dit exprime lui même en plusieurs façons de musique. Hein? Alors, plusieurs styles de musique, différents styles de musique. Parce que la langue créole n'est pas capable d'être en place. Hein? À cause d'une nez dans ses gars, il reste dans ses gars même. Ça veut dire qu'il n'est pas véhiculé même à travers raga, à travers reggae, à travers segue, à travers tout. Il y a une autre tendance aussi qui naît, qui appelle fusion. Et quand nous causons fusion, souvent nous pas ignorons nous ses gars dans ce travail-là. Nous n'est brode dans les autres instruments, dans les autres emprunts, dans les autres styles d'instruments. Qui nous mettent lit et nous base reste le Sega. Et si nous avons l'oreille musicale, nous continuons d'entendre le rythme. Simplement, nous posons nous, la langue créole, l'eau-là, pour que quelque part, nous exportons la langue-là, nous exposons-la à ben, plusieurs les autres sensibilités à travers le monde. Langue, musique, identité, c'est un long débat, c'est un grand débat. Nous essayons d'apporter quelques éléments de réflexion ce soir. Nous remercions tous nos invités qui étaient présents avec nous, tous nos artistes qui finissent. Participe dans l'émission ce soir et nous remercier tous les téléspectateurs qui viennent suivre nous aujourd'hui. Merci, bonne soirée.